dans ce nouveau vlog. Bon, excusez-moi pour la tête que j'ai aujourd'hui, il n'y a pas eu d'effort ni coiffure ni maquillage. Je suis maquillée, hein, mais très léger. Nous sommes aujourd'hui jeudi, donc les enfants sont repartis à l'école. Et moi, je suis toute seule à la maison puisqu'Anaïs est aussi à l'école aujourd'hui puisqu'elle avait demandé une dérogation par rapport à son arrêt de travail pour pouvoir aller en cours puisqu'en cours, elle est assise toute la journée, donc il n'y a rien qui l'empêche du coup de... En fait, je ne le savais pas. Il n'y a rien qui l'empêche d'aller à l'école, mais moi, je ne savais pas que du fait qu'elle soit en arrêt, elle n'a pas le droit de pratiquer, enfin, de faire les cours pratiques, en fait. Moi, je pensais que c'était juste, voilà, le fait de rester debout au salon, c'était trop compliqué pour elle, donc on l'arrête. Mais si elle va à l'école, elle peut, pour le peu de temps qu'elle va en faire, elle pouvait faire la pratique, mais non. En fait, elle m'a expliqué que l'arrêt de travail signifie qu'elle n'a pas le droit de faire la pratique, même à l'école. Donc, du coup, elle est partie en cours pour les cours théoriques, et voilà, bon, moi, en soi, ça me dérange pas, ça m'a donné une occasion d'aller voir mon beau médecin, et puis, bah, j'espère qu'elle va revenir sans avoir trop mal, mais elle marche quand même correctement, elle reprend le boulot demain, hein, donc techniquement, je pense que ça va bien se passer. Voilà, donc, bah, moi, mon programme, là, clairement, c'est gros ménage. Je viens de terminer le montage du vlog d'hier, donc ça c'est très bien, parce que du coup il est que 9h et donc je suis au taquet déjà pour commencer le ménage. Donc je dois débarrasser la table du petit-déj, nettoyer la cuisine, passer l'aspirateur et laver par terre, et puis je dois lancer une lessive. Je voulais aérer un petit peu, mais comme j'ai allumé le chauffage, en fait... ça m'embête un peu. Alors, je sais pas comment vous gérez ça, l'aération de la maison l'hiver. Faut que j'appelle le vétérinaire aussi pour demander les tarifs de vaccination pour les chats et prendre rendez-vous. Voilà, du coup, quoi de plus aujourd'hui? Oui, du coup, je vais faire ma grosse séance de ménage. Et ensuite, il va falloir que j'aille à Cholet pour ramener le pilou-pilou de Côme que je n'ai pas pu ramener hier. Et en fait, hier, on est allé faire des courses pour acheter de la litière pour... de la litière. Des croquettes pour les chats et du papier toilette. Évidemment, nous avons acheté tout, sauf du papier toilette et, des croquettes pour les chats. Donc, comme je serai... Enfin, quand je vais aller chez Kiabi, en fait, je serai juste à côté de Carrefour. Donc, du coup, je m'arrêterai chez Carrefour, acheter des croquettes et du papier toilette. Et puis, bah, après, je rentrerai à la maison... Et au milieu de tout ça, je vais trouver le temps de mettre en place ma première collaboration. Du coup, elle a été confirmée hier soir. Donc, j'ai créé, en fait, je dois... Alors, j'ai tout un PDF à lire hein, pour savoir comment ça va se passer. Donc, je vais d'abord faire ça. Mais j'ai quand même téléchargé l'appli et créé mon compte déjà, puisque la base, c'est ça. Ensuite, ils vont, en fait, me mettre mon compte en gratuit pendant 3 mois. Et puis, du coup, ben, je vais pouvoir commander mon, enfin, mettre en faire mon journal, en fait, ouais. Faire mon journal et puis le faire envoyer à mes parents. Donc, je pense que ma maman va être très, très contente. Et ça, c'est trop cool. Donc, voilà. Bon, ben, sur ce, je vais attaquer puisque il est tôt. Donc, je vais mettre la musique et ben, ça va bien me motiver. Donc, ça va le faire. Je vais essayer en même temps de ranger mon bureau parce que je le vois d'ici et c'est une catastrophe. Donc, je vais aller lancer ma lessive tout de suite. Comme ça, elle aura le temps de tourner, le temps que moi, je vais faire le ménage. Et quand j'aurai fini le ménage, je serai juste à la mettre à sécher. Et je serai tranquille. Voilà. Donc, bah, je vous reprendrai plus tard. Je vous montrerai un petit peu comme j'ai avancé. Je sors des toilettes et je les retrouve là, tous les deux. Mmh. Oh, ça ronronne. Oui, ça ronronne. Ils sont pas beaux. Sérieux. Elle me fait peur avec ses yeux marrons, là. Lui, il a les yeux jaunes de chat, normal, quoi. Mais elle, elle a les yeux marrons, ça fait drôle, je trouve. Mais t'es belle quand même, pas. Mon petit mimi. Bon, bah, on va les laisser dormir, je vais mettre la musique et je m'active. Bon, je vous reprends, il est 11h37 et je vais partir. Je vais, en fait, déposer bah, tous les papiers qu'Anaïs avait oubliés ce matin. Et puis... Alors, j'ai un décodeur TNT à déposer chez EasyCash. En fait, je l'avais acheté là-bas, mais comme je m'en sers plus, je vais le ramener. Je dois changer le pilou-pilou de Côme et un pyjama. Que je... Alors, je sais pas s'ils vont accepter de me le reprendre. En fait, je lui avais acheté un pyjama il y a quelques temps et bah, finalement, en fait, je me suis pas rendu compte en l'achetant. J'ai pris un 11-13 ans.
Sauf que Koum, il fait plus du 9-10 ans. Donc du coup, il faut que je le ramène, mais je pense que je vais revenir avec, à mon avis. Donc au pire des cas, c'est pas grave, je le mettrai dans la housse de vêtements stockés, puis il l'aura plus tard. Et puis bah du coup, je dois faire deux petites courses, racheter du papier toilette et des croquettes pour les chats. Et puis bah normalement, je devrais rentrer. Il faudrait que je passe à la sécu déposer la lettre d'Anaïs. Et puis c'est tout. Donc, mais bon, priorité, c'est d'aller la rejoindre à son école pour lui filer ses papiers. Donc, j'espère que je vais arriver à la capter à un horaire où elle sera dispo. Voilà, là, c'est parti. Bien, il est 13h06 exactement. Et je sors de chez Carrefour et je suis concrètement très contente. J'ai fait une affaire de malade. J'ai ramené un pyjama à 5,99€. La dame me dit, je vous laisse aller en choisir un autre et puis vous me le ramenez. Donc je ramène, sauf que celui que j'avais pris pour Com, en fait, il n'y avait pas de taille en dessous. Donc je n'ai pas pu changer le même modèle. Donc j'en ai pris un autre. Et en plus, c'est un modèle plus chaud, du coup, puisque moi, c'était juste en coton, tout simple, matière t-shirt, quoi. Il était à 5,99€, donc évidemment le modèle plus chaud, il était à 12,99€, donc je passe à l'accueil et j'attends qu'elle m'encaisse. Et en fait, elle part servir quelqu'un d'autre. Alors je me dis, bon, elle revient me voir et elle me dit, vous aviez besoin d'autre chose? Je dis, non, mais le pyjama, il est pas au même prix. Et là, elle me fait, oui, non, mais c'est parce que quand vous l'avez pris, il devait être en promo, mais du coup, je vous fais un échange simple. Bah, comme tu veux. Du coup, je suis repartie avec un pyjama à 13€ que j'ai payé 12€. Enfin, 6€, quoi. Donc, je suis plutôt contente. Du coup, j'ai pris le papier toilette, j'ai pris les croquettes pour les chats. J'ai changé le pilou-pilou de Com, mais je suis dégoûtée. Il n'est pas de la même couleur parce qu'il n'y avait pas sa taille. Donc, du coup, ce ne sera pas un raton laveur, ce sera un tigre. Mais bon, c'est pas grave. J'aime beaucoup le jaune moutarde, donc ça me va bien aussi. Mais ouais, je suis un petit peu déçue quand même que les trois n'aient pas le même. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vais rentrer à la maison, j'ai déposé toutes les affaires. Ah bah non, je rentre pas à la maison, j'ai des courriers à aller. Enfin, un courrier à. Ou alors je le mets à la poste. Ouais, je vais le mettre à la poste. Parce qu'il est tard, là, j'ai toujours pas mangé, il est 13h10. Donc je vais rentrer à la maison, j'irai du coup le déposer à la poste demain matin, je pense. On n'est plus à un jour près, c'est pour la carte vitale d'Anaïs, donc depuis le temps qu'elle aurait dû être faite. Je la déposerai à la poste demain matin et puis comme ça je vais pouvoir rentrer chez moi, je vais pouvoir me poser pour prendre le temps de faire mon drive correctement, enfin de vraiment penser à tout prendre. Et puis comme ça j'aurai plus qu'à aller le récupérer, je pense demain matin justement, je ferai tout en même temps, ça m'évitera de ressortir aujourd'hui. J'ai de quoi faire des carbos pour ce soir, donc on crèvera pas de faim ce soir. Et puis voilà, donc là je rentre et puis je vais aller me poser un petit peu pour manger. J'en ai besoin, j'ai très faim. Bon, il est 17h et c'est la fin de la tranquillité. Les gars sont à peine rentrés, ils sont déjà très excités. Donc, j'espère que la soirée va pas être trop... comment ça pourrait dire, désagréable. Ils ont enfilé leur pilou-pilou. On a le tigre et le raton laveur. Ou quel déhanché du raton laveur. Bon, il est 19h10, on attend le début de DLA. Et pendant ce temps-là, Anaïs coupe. En fait, elle a coupé les cheveux des trois gars. Donc là, elle termine Com. Du coup, Elsa et Marceau sont déjà passés à la douche. Là, Adam doit y aller normalement, mais il attend Com. Et dès qu'ils auront pris leur douche, on va passer à table. Et puis, on n'est pas hyper en avance ce soir, mais je pense que ça va se gérer. Bon, nous allons clôturer ce vlog. Il est 21h. Je vais aller m'installer dans mon lit avec ma petite bouillotte, ma télé, tranquillou. Du coup, je suis en train de regarder ma table. Je n'ai même pas réinstallé ma nappe, etc. Du coup, aujourd'hui, c'était une bonne journée quand même, bien productive, parce que niveau ménage, je me suis quand même bien activée. Bon, j'ai pas lavé les sols. Et je suis un petit peu déçue. Enfin, j'en ai lavé une partie en fait, parce que comme j'ai trouvé une solution pour les pipis des chats, du coup, j'ai lavé tous les endroits où ils ont l'habitude de faire pipi au vinaigre blanc, puisqu'a priori c'est un répulsif.
Et j'ai remis en plus le répulsif que j'ai acheté chez Maxido. Donc, je ne sais pas si ça va réellement fonctionner, mais en tout cas, j'ai fait comme elle m'a expliqué. Donc, on verra dans les jours à venir. Je pense qu'on va aussi acheter du Feliway. Elle me l'avait conseillé, mais j'avoue 40 euros le diffuseur, ça m'a un petit peu calmée. Donc, je n'en ai pas pris. Mais peut-être que... Non, Adam, non, tu vas te coucher. Il va s'arrêter, il va s'endormir lui aussi, il est fatigué. Donc, tu remontes te coucher. De toute façon, je vais monter moi aussi. Donc, si j'entends du bruit, je viendrai. Je sais, c'est parce que je vais monter. Oui. Voilà. Adam qui a besoin constamment de savoir ce que je fais. En fait, il ne se couche pas, paisiblement. Parce qu'il ne sait pas. Oh, pardon. Parce qu'il ne... J'essaye de gérer ma nappe, tout ça, en même temps que je vous filme. En fait, il ne sait pas gérer, en fait, son coucher sans savoir ce que moi je fais de mon côté. Est-ce que je vais me coucher? Est-ce que je monte tout de suite? Est-ce que je comprends pas ce besoin? Mais c'est un réel besoin pour lui puisque tous les soirs, il me dit la même chose. Donc, c'est pénible. Et c'est comme ça. Ouais, j'aime mieux ma table comme ça. C'est pas... J'ai toujours mon aspirateur qui traîne. En fait, c'est Alice. Voilà. Tout à l'heure, elle a coupé les cheveux de ses frères et du coup, elle a nettoyé... elle a ramassé pour qu'il n'y ait plus de cheveux par terre. Mais j'ai remis dans le garage demain matin, puisque de toute façon, je le passerai demain matin. Mais effectivement, je trouve que c'est quand même plus agréable d'avoir une table. Le salon, ça va. J'ai même rangé mon bureau. Voilà, pour le coup, au loin, comme ça, ça se voit pas. Bah, puis, poser tout en vrac, donc forcément, ça va pas se voir. Mais j'ai quand même fait du tri, donc j'ai le bordel de com, évidemment. Allez savoir pourquoi. Mais j'ai quand même trié, rangé. Voilà. Ça fait du bien. Donc non, aujourd'hui, c'était vraiment une journée productive. J'ai fait pas mal de choses. Je vais allumer la lumière. J'ai fait pas mal de choses parce que j'avais du temps, déjà. Et puis, en fait, comme j'ai été vite ce matin pour faire... tout ce qui était... Oh, je vais la rentrer un petit peu. J'ai été vite, en fait, pour faire toutes les courses que j'avais à faire. En fait, finalement, ça a été super vite. Donc, quand je suis rentrée à la maison, j'ai eu pas mal de temps pour faire aussi tout ce que j'avais à faire ici. Donc, je suis très contente au niveau du salon. C'est propre. J'ai juste la cape de coupe d'Anaïs, encore une fois. L'aspirateur et la cape de coupe. Je vais lui mettre dans l'escalier, il viendra la chercher. Mais voilà, même mon meuble d'entrée, il est propre. J'enlève le sac parce que c'est à remettre dans la voiture demain matin. Je le pose là, mais même mon entrée est propre, dis donc. Ouais, il y a du mieux, hein. Alors, je pense que les enfants commencent à comprendre parce que déjà, rien que eux ne laissent plus traîner leurs affaires. Donc, j'ai juste à le dire une fois et c'est ramassé. Donc ça va, je me plains pas. Mais du coup voilà. Donc oui, on va revenir un petit peu sur ce commentaire rageux. Donc je vous précise que j'ai signalé cette personne, hein, et je ne suis pas la seule. Anaïs l'a signalé aussi, et une abonnée m'a contactée aussi sur Instagram pour me dire. Alors je suis désolée. Marvel Angel, je crois, je ne connais pas ton prénom, donc je ne peux te citer autrement que comme ça. Mais elle m'a contactée via Instagram pour me préciser qu'elle l'avait elle aussi signalée. Donc n'hésitez pas à la signaler vous aussi. D'autant que vous pouvez mettre, enfin quand vous signalez, en fait vous mettez pour quelle raison vous signalez. Donc moi j'ai précisé que c'était du harcèlement intimidation à mon égard. Maintenant Anaïs, je crois qu'elle a mis... Je sais plus ce qu'elle a mis. Elle a pas mis la même chose. Mais en tout cas, moi, j'ai mis harcèlement intimidation. Donc après, vous mettez ce que vous voulez si vous voulez signaler. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein, je n'incite personne. Mais là, je trouve que aller jusqu'à insulter un enfant, pour moi, c'est aller trop loin. On peut ne pas aimer ma personne. On peut ne pas aimer mes vlogs. Tout à fait, je ne...
J'estime pas être quelqu'un d'important ou quoi que ce soit, mais déjà, elle se permet de critiquer Céline Vigneron, qui est une abonnée fidèle, alors que, pour être très honnête, je n'ai pas compris pourquoi. Donc, Céline a répondu et merci pour ta réponse. Mais voilà, je comprends pas en fait ces personnes qui viennent. Voilà, juste cracher leur venin comme ça gratuitement, je comprends pas. Maintenant, dans la majorité des cas, c'est le genre de commentaire que je ne relève pas. Mais aujourd'hui, elle s'est permise d'insulter Adam en disant qu'il était très con. Ça, je peux pas le tolérer. Je suis tout à fait consciente que Adam a un comportement exécrable et qu'il peut choquer certaines personnes. J'ai bien vu les commentaires. Ouais, j'ai mis la nappe. Alors ça y est, ils vont tirer dessus. Du coup, oui, j'ai bien vu les commentaires par rapport à la crise qu'il a fait la dernière fois. J'ai bien vu que ça avait choqué pas mal de monde qu'il se comporte comme ça. Et tout le monde me dit que je ne réagis pas. Non. J'ai pas piqué une crise devant la caméra, hein, mais vous vous doutez bien que je n'ai pas laissé passer ce comportement. Une fois que j'ai... Parce que en fait, il réagissait comme ça justement parce que j'étais en train de le filmer et qu'il n'appréciait pas du tout. Maintenant, une fois la caméra coupée, il a été puni. C'est vrai que j'aurais pu le dire dans la clôture et je n'ai absolument pas pensé à le faire. Mais il a évidemment été puni. Je ne tolère pas ce comportement, tout comme Côme m'a manqué de respect ce soir. On en a discuté et demain il sera puni parce que voilà, ça s'est passé au moment du coucher, donc j'allais pas le punir maintenant alors que il était censé partir au lit. Mais évidemment que je me laisse pas passer. Donc ça, c'est quelque chose dont je vais parler avec la psychologue parce que j'espère avoir un petit peu de soutien et peut-être une orientation où on pourrait m'aider à régler tout ça. Moi, en fait, j'aurais bien aimé avoir une super nanny, mais qui passe pas à la télé. J'aurais apprécié. Maintenant, je ne sais même pas comment ça s'appelle, en fait, les personnes qui interviennent. Enfin, je ne sais même pas si ça existe en dehors de super nanny. Des personnes qui interviennent comme ça au foyer pour aider les parents dans l'éducation de leurs enfants. Mais bon, en tout cas, si ça existait vraiment, j'aimerais bien en profiter parce que c'est difficile. Voilà. Donc bon, je vais clôturer ce soir sur ces quelques mots puisque je vais aller m'installer dans mon lit, comme je le disais. J'ai pas très chaud. C'est bien, je me vois dans la glace derrière. J'ai pas très chaud, je vais aller récupérer ma bouillotte, m'installer dans mon lit, m'allumer un petit peu la télé. Alors je vais pas regarder pendant 3 heures non plus, mais je vais regarder un petit peu parce qu'il est que 21h et j'ai pas envie de dormir de suite. Donc voilà, j'ai récupéré ma bouillotte. Donc bah du coup je vais monter dans mon lit. Je vais quand même éteindre la lumière parce que. Les chats n'ont pas besoin de la lumière, hein. Quand on parle du loup. Tu dis bonjour ? Là. Mais tu me fais trop rire. C'est chaud. Donc voilà, demain, j'ai rien de prévu de spécial à part si... Si je dis ça, mais si, des choses de prévu. Demain matin, bon, du coup, j'ai encore pas préparé mon... J'ai pas préparé mon drive, je suis un peu dégoûtée. Il aurait fallu en fait que je fasse un menu, que je vois ce qu'on va manger toute la semaine, que du coup j'organise avec ça. Mais c'est compliqué parce que le menu en général je le fais avec les enfants. Et là ce soir on n'a pas eu trop le temps puisque quand on est rentré on a fait les leçons. Donc... Par rapport à Adam, pour les leçons, je confirme que c'est vraiment le fait d'écrire qui pose problème et qui le fait s'énerver, s'emporter, etc. Parce que ce soir, je ne lui ai pas fait écrire les mots, je lui ai fait simplement répéter, enfin réciter, épeler, pardon. Et pour la majorité, il les connaissait ce soir. Alors, on a un petit peu bugué cette semaine parce qu'en fait, on les a appris pendant les vacances. Ensuite, on les a révisés lundi, mais mardi et mercredi, on les a pas révisés. Du coup, on les a révisés ce soir pour demain. Et je pense que mardi et mercredi, ça a manqué. Si on l'avait fait, eh ben, ils les auraient su parfaitement bien. Et c'est de ma faute parce que j'ai pas insisté. Et voilà. Donc, je m'en veux un petit peu, mais c'était mieux que les fois d'avant quand même. Parce que les fois d'avant, ils les écrivaient une fois dans la semaine. Les autres jours, j'avais tellement de colère
que je finis par lâcher l'affaire parce qu'il se met dans de tels états. Déjà, il me fait de la peine parce que dans son comportement, je vois bien en fait que dans sa tête, c'est le chamboulement émotionnel, c'est terrible. Et du coup, moi, ça me fait de la peine et je supporte pas en fait de le voir. Alors, vous allez me dire, c'est un capricieux. Honnêtement, oui, je pense qu'il est capricieux sur certaines choses, mais là, dans le cadre des devoirs, je vois bien que c'est pas du caprice, en fait. Je vais baisser le son. Je vois bien que c'est pas du caprice, je vois bien que c'est de la perte de contrôle, en fait, hein, complètement. Donc, c'est vrai que ça me fait quand même pas mal de peine. Donc, bon, je vais voir, je pense que par rapport à ça, je vais retourner voir mon ancien médecin, parce que lui, il était... Par rapport à Adam, il était au top. Il était dans l'écoute, il était dans le dialogue, il était... Et Adam, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, il mérite une fessée, il mérite une punition, machin. Adam, il a besoin de douceur. C'est un enfant que si on le prend avec la douceur, on obtient tout ce qu'on veut. Et c'est vrai que moi, je ne le prends pas souvent avec la douceur parce que je suis forcément à chaque fois en colère, puisque dès que lui, il part dans ses crises de machin, moi, ça me fait monter en pression. Donc, du coup, bah, je finis par m'énerver. Et une fois que je suis énervée, bah, je peux plus le prendre avec douceur. C'est déjà trop tard. On a passé le cap du non-retour. Et malheureusement, c'est pas ce qu'il faudrait. Donc, je vais essayer d'en parler avec la psy quand je vais la voir. Et je pense que par rapport à Adam, je sais pas si moi, pour moi, je changerai de médecin, mais je pense que pour les enfants, je vais retourner voir mon ancien médecin. Parce que, bah déjà, les enfants, les gars, dès que je leur dis, bah, si t'es malade, je t'emmène chez le médecin, ils veulent pas y aller justement parce que c'est plus lui. Donc, je me dis peut-être que pour eux, je vais retourner là-bas aussi. Il y a peut-être que moi qui vais changer, je sais pas. Peut-être que tout le monde retournera là-bas à long terme, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que par rapport à Adam et Com, ses conseils me manquent en fait. Parce qu'il était vraiment de très bons conseils. Je vais attendre déjà de voir avec la psy ce qu'elle, elle pense d'Adam, ce qu'elle en dit. Et puis ce qui va découler du rendez-vous. Et puis je suis désolée, hein, l'éclairage il est vraiment mauvais. Je vais essayer d'allumer ma lampe, comme ça va. Waouh. Donc c'est toujours aussi mauvais finalement. Donc je vais essayer de voir avec la psy, puis on verra ce qui en découlera de ce rendez-vous. Mais c'est vrai que pour l'instant c'est difficile. Voilà, bon bah sur ce je vais clôturer maintenant parce que je parle trop. Je vais vous faire des gros bisous, je vous remercie pour votre soutien face à la rageuse. Merci d'être toujours là, merci d'être de plus en plus nombreux, bienvenue aux nouveaux abonnés. On a passé les 1400, ça y est, on est bien, on avance doucement. Et puis, je reviendrai très vite vous parler de ma nouvelle, ma première collab. J'ai eu un contact aussi pour faire une collab avec Twist Check. Mais bon, c'est principalement des produits bébés. Alors, j'ai vu qu'il y avait quand même des gourdes, il y a des assiettes en plastique, ça pourrait être utile pour Marceau. Il y a les gourdes réutilisables pour la, enfin les poches réutilisables pour la compote. Donc bon, il y a quand même des choses que je peux utiliser, je pense. Donc je vais regarder le site et si effectivement il y a des choses qui peuvent me convenir, je tenterai peut-être la collab avec eux aussi. À voir. Donc c'est en réflexion. Voilà. Du coup, je vais vous souhaiter une bonne journée et puis je vous dis à demain pour le nouveau vlog et encore merci pour tout. Gros bisous.